Allez. Well. Bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Hey, à nouveau numéro, une édition spéciale, 2K ROI. Avec un invité surprise. Et quel invité? Comment ça va? Ouais, je crois, ça va, je suis là. Très bien, merci beaucoup. Oh, bah, la base. Nickel, parfait. Kerem, ah, hada sahbek. شي صاحبي هكا هكا فلو جاك معرفه برا اليوم معنا ان انفيتي دو مارك نوت كوبان مهدي نضاف اكسبير تيلكو تكنولوجي لا بلانيت لا نازا واش حبيتو كاع. Écoute, on est content de t'accueillir parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Idéalement, j'aimerais que tu parles dans le micro. Bien sûr, c'est clair. On va le faire. On s'entendra mieux. Allez. Ok. Et aujourd'hui, avec notre ami Karim, nous allons discuter de... On va discuter de tech, et plus exactement, on va se mettre un peu à la page, dans le sens où on va parler un peu de IoT, Internet of Things, ou alors c'est l'Internet des objets, c'est IOD en français. Et Mehdi, IOD. Tu m'apprends quelque chose. Oui, ça se dit en français, c'est IOD. IOD. Et c'est Mehdi qui va nous en parler. Enfin, qui va en tout cas introduire le sujet. Exact. Allez, Mehdi, première chose, c'est quoi l'IoT ou l'IOD? Je te connecte. Quelque part. Aya. Entièrement. Ben, c'est une techno qui permet de connecter tout et n'importe quoi en fin de compte. Et ben, ça a l'air très chouette de l'extérieur. Ouais. Et c'est chouette en fin de compte. réellement. Ça apporte énormément de belles choses. Karim, c'est quoi l'histoire? Alors, moi, l'IoT. Nous voulons d'abord saluer ta tenue, hein, ton tablier de genre... boucher. Excusez-le. Non, mais c'est boucher. Ce n'est qu'à. Excusez-le. C'est qu'à Brouri. Pour Karim, pas Kamel. Pas d'erreur. Moi, je suis pizzaïolo. La famille est mskigda. La pizza. Dove è una pizza? Una vera pizza della grande mamma. Sì. Allora, certo. Gli internetti degli oggetti. Sì, certo. Bon, parlo. Dio, ça va aller dans tous les sens comme no, ça. No, non parlo italiano. Attends. Perché ti dici? La cosa nostra non esiste. Ma l'internet degli oggetti? Sì, allora, je disais. Allez. L'internet des objets. L'internet des objets, oui. Je peux pas le dire en français d'un seul coup. Ah, l'IoT. Alors, aujourd'hui, on a vu avec l'avènement d'Internet et surtout de haut débit, un développement d'objets connectés qu'on voit un peu partout aujourd'hui dans notre vie. Alors, je pense que nous, les consommateurs, ça a commencé à se rapprocher de nous. Je pense avec les montres connectées, les fit, tu vois, ouais, les trucs de sport et tout ça. On appelle ça les wearables. Yep. Choses qu'on peut porter. Exactement. Je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à comprendre. Alors, il faut comprendre que l'Internet des objets, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je pense que ça serait intéressant d'en parler aussi. Parce que quand on parle d'Internet des objets, c'est-à-dire des objets qui sont connectés, qui parlent entre eux via Internet, on a toujours connu les automates. C'est un des domaines qui sont les plus intéressants à adresser avec cette technologie, en l'occurrence. Hein. Les automates. On parle d'industriel IoT. Exact. Pour permettre l'automatisation au sein d'écosystèmes tels que l'industrie. Alors, juste pour dire que y a les objets connectés aujourd'hui, mais initialement, on parlait aussi de M2M. Aussi, c'est l'évolution logique de la communication inter-objet. Mmh. Et additionné à cela, on permet une automatisation de l'interaction avec ces objets-là. Okay, ça permet quand même de récolter un max d'insight de l'individu ou de l'objet qui sera connecté et permettre une connaissance un peu plus accrue. Ah, surtout qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la data. Absolument. Et absolument. À l'ère de la data, dès qu'on se met à raisonner data-driven decision, donc on prend nos décisions qu'à partir de data, il va bien falloir les collecter, il va falloir les générer, il va bien falloir les observer. Et l'IoT est l'Internet des objets. Et la technologie qui permet probablement de générer peut-être le plus de data. Mais il va falloir aussi splitter le workflow ou le cheminement de l'information, du manufacturing de l'objet qui sera connecté à la collecte de l'information, au traitement de l'information, et à toute la couche qui permettra de développer de l'applicatif
pour permettre le traitement de ces objets-là. C'est-à-dire que l'écosystème va être hyper riche et permettra l'interaction d'une multitude d'acteurs. Est-ce que finalement, ce n'est pas le gros enjeu de développement de notre prochaine période, de notre prochain cycle de révolution technologique ? Le prochain shift technologique qui est la 5G inclut en grosse partie la connectivité IoT. Il y a, comme on a discuté tout à l'heure, il y a trois gammes de connectivité. Il y a ce qui est open source, donc sous la houlette de LoRa. Il y a des protocoles propriétaires au titre de Sigfox, qui est plus opérateur que protocole. Il y a le 3GPP, si vous voulez, dans le telco domaine, qui sera le NB-IoT, le Narrowband IoT. Alors juste, je pense que Bachman Harbosh Al-Juma'a, je reprends rapide. Donc l'Internet des objets, c'est grosso modo des objets aujourd'hui qui peuvent être ou des objets à notre niveau dans les maisons, sur nous-mêmes. Du quotidien. Mais aussi, voilà, du quotidien, ou des objets qui sont plus présents dans l'industrie. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Okay, pas. Du quotidien. Je sais pas. Non, non. Genre, sur la tête de mes morts. J'aurais pas dû. T'es concentré, les amis. T'es sérieux. Bon, je reprends. Alors, si on devait donner une définition rapide de l'Internet des objets, qu'est-ce que ça serait au final ? En gros, c'est des objets qui sont connectés. Oui, mais. Mais grosso modo, c'est quoi la différence grosso alors, modo. Le M2M, c'est machine to machine. Hein. C'est clair. Objet connecté. Ton téléphone est le premier objet connecté en ta possession. Tu es en train de t'apprécier un café. Cette tasse-là pourrait être connectée. Certes. Pour interagir sur la alors, chaleur. Juste, je vais raconter une histoire. Bah, la chaleur, c'est très bien. Alors, petite anecdote. Avec Mehdi, entre autres, on s'était connus autour d'une solution IT que nous avions en partenariat à travailler dessus avec un éditeur de logiciels. Et en fait, c'est sur le social CRM. Et en fait, ça se connecte aux réseaux sociaux avec les connecteurs, API, blablabla. Et on l'avait testé, on s'était dit, au lieu de se connecter à un réseau social qui lui fait remonter de la data qui est issue de personnes qui parlent avec une marque au final, en fait on s'était dit ben, on la connecte sur un objet connecté. Et la première applicative qui avait été faite, c'était avec un téléopérateur international qui a une box et qui permet d'avoir tout à la maison, la box. Hein. Et cette box, en fait, elle a des capteurs de température, hein, bien classique. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on faisait ? On récupérait la data de la box qui disait « Mani srona 20 degrés, 25 degrés, mani barda, ma bechou chabet », etc. Donc, et là, on a fait un test et en fait, un jour, un client se plaint de la box Hapslo. Donc, il va sur les réseaux sociaux, il te dit, donc ça va sur la même technologie. Le bonhomme, il dit, chatema. Il dit, j'ai un indicateur dans la box, donc il y a sûrement une problématique de température sur votre box. Donc, il va vérifier, il dit, je sais pas, il dit, éteignez là, nanana, mettez là, qu'elle refroidisse et tout ça. Donc, bon, normal. Quelques jours plus tard, le mec, il recontacte la marque en disant, au final, vous savez, je sais qu'est-ce qui avait fait chauffer la box, c'est mon chat qui dort dessus, parce qu'il a un donc il dit, donc, quelques insights. Exactement. Et ben quelques jours plus tard, rebelote le même problème. La box, elle chauffe. Donc là, le téléopérateur... Déplacer le chat. Exactement. Il le connecte et lui dit « déplacer le chat ». Donc voilà, par exemple, aujourd'hui, les objets connectés permettent de créer de l'interaction aussi avec des consommateurs d'une marque autour d'un sujet. Et donc, l'objet connecté peut être dans le process. Il y a Sophia, non, il y a de la marque, chauffe. Zama m'habini chinkolo, on bacte, enfin bon. Donc... c'est ça un peu les objets connectés. Mais alors, moi, la question que je voulais te poser, Mehdi, c'est quand on parle d'objets connectés, bien évidemment, comme tu l'as parlé, en fait, on parle de... C'est-à-dire un objet connecté a besoin d'un réseau pour communiquer, pour qu'il communique entre eux. Donc, tu as cité quelques technologies, les majeures, voilà, exactement. Sigfox, LoRa et le Narrowband IoT. Et Narrowband IoT. Alors, ce sont quoi ? Open source, technologie fermée, propriétaire, c'est quoi ? C'est exactement ça. LoRa, c'est de l'open source. Sigfox est plus opérateur qui fournit une connectivité. Et le NB-IoT, c'est pour ce qui est 3GPP, telco, domain, quelque part. Explique. C'est-à-dire que dans l'évolution normale ou logique ou le shift technologique d'une radio télécom qui permet de transporter de la voix et de la data ou d'autres services qui sont usués par les clients. OK. Donc, cela, dans l'évolution, dans le standard 3GPP, on passe à du narrowband IoT.
Ça veut dire que c'est les fréquences basses. Non. C'est une en termes de fréquence, c'est un autre sujet. D'accord. Les problématiques de débit, les problématiques de gros volumes de transfert ou pas, là interviennent au niveau de du spectre de fréquence à utiliser. Mais c'est juste pour spécifier Narrowband IoT, c'est une évolution software d'une radio télécom normale. D'accord, ok. Alors, une autre question, donc indirectement, puisqu'on parle de LoRa, Sigfox, Narrowband, alors je suis Fahmoul Jamal, en train de parler de bande radio. Hein, enfin de, exact. C'est ça, de bande exact. Radio. Alors, question qui peut revenir, qui revient généralement dans le monde des startups. Ok, je veux développer un applicatif IoT et je vais partir sur du LoRa, par exemple. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique légale. Le régulateur peut poser quelques problèmes ici en Algérie. Donc la problématique de l'utilisation de fréquences ou de spectre non, comment on appelle ça déjà ? C'est unlicensed frequency. Mmh, mmh. D'accord ? Donc des licences non. En grosso modo, ce n'est pas régulé. 2.4, la 2.5 et la 5 giga. On est systématiquement dans l'under giga. Mmh. Donc on est sur du 900, 800, voire encore moins. Parce que déjà, il faudrait... Dans gigawatt pour les copains, monsieur Fermo. Gigahertz. Voilà, gigahertz. Alors, monsieur Fermo, il y a du mal, on joue la radio. Hein. Voilà. Du 900, par exemple. Quand on parle de 900, under giga, c'est du 900 MHz. Mais il faut spécifier aussi, il y a une grosse problématique. Si on parle de LoRa et de Sigfox, on est sur du low rate transfer. C'est-à-dire très petit débit. Et très peu donc d'interaction entre l'objet connecté et son cœur contrôleur, si vous voulez. D'accord. Et bon, la quantité d'information qui est transférée est très petite. Ça a son domaine d'application. Ça, il y a quelques. C'est du low rate. C'est du low rate. D'où le LoRa. Donc LoRa pour dire low rate. Alors, il y a des expériences menées en Algérie là sur. Parce que quand on a commencé à parler Merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous dans un prochain épisode. Les réseaux sociaux, la belle, on a fait un grand exercice il y a quelques jours. Mais bon, j'en parlerai avec. On a un invité qui va venir en parler. Mais j'anticipe parce que c'est la startup. Moi, j'étais à Marseille et la startup dont je parle, c'est pas grave. Je suis obligé parce que c'est dans le sujet de Mehdi. Non, il faut. C'est CityLocker qui est l'IoT. Alors juste pour dire, voilà. Il faut qu'il la place quelque part. Oui, je suis obligé parce que. Non. C'est ton sujet, Maral. Parce que moi, du coup, je suis Maral qui connaît un ancien, donc obligé de travailler avec toi. Parce que voilà, c'est une vraie question. Au moment qu'ils développaient l'applicatif, ils sont pas partis sur ni du LoRa, ni du Sigfox. Alors, déjà, on peut pas partir sur du Sigfox. Aujourd'hui, on a des Sigfox. Non. Sigfox, c'est très particulier. Voilà, ok. Donc, si je fais une checklist, le Sigfox, n'est. Non, Sigfox, c'est un des trois opérateurs. Mm-hmm. Qui est censé récupérer cette licence et la mettre en production. Ok, Zama, est-ce que tu es en train de dire il faudrait que Mobilis, Jay-Z ou Rido, ils rentrent à Sigfox et ils te ferment au marin. Et en plus, c'est une spécificité de Sigfox. C'est que Sigfox, dans son cahier de charge, n'attribue l'exploitation de son réseau qu'à un seul opérateur. Il donne dans l'exclusivité. Okay. Et à côté de ça, il lui interdit d'exploiter du LoRa. Ok. Et Flagel, est-ce que ça, on pense... Par contre, attendez. Par contre, le réseau est worldwide. Absolument. Le roaming est autorisé. Dans tous les pays où il y a un Sigfox, absolument. C'est le principe. Il y a une continuité de service international. Ok, très bien. C'est le principe. Alors, là, on a plus que Zerma, qu'est Sigfox. S'il y a, je pense, des discussions qui sont en cours. Okay. Mais pour l'instant, aujourd'hui, pour une startup, Aujourd'hui, non. Okay, ça. Non. Donc, un deuxième step two. En tant que startup, pour LoRa. Oui. Pourquoi je n'irai pas vers LoRa aujourd'hui ? Ou est-ce que j'irai ? Rien ne t'empêche, en fin de compte. C'est quoi, là, aujourd'hui Maintenant, ça dépend de l'objet ou de l'ingénierie de l'objet connecté. Ok, alors je vais le faire rapide. Moi, je connais... Deux secondes. Vas-y. Tu as parlé de CityLocker. Ouais. Dans ce cas de figure, il n'y a aucune mobilité pour le device. Oui, c'est un locker qui donc, automatiquement, la connectivité pourrait être fixe, pourrait être très localisée. Mmh. Donc, l'investissement aussi
est très réduit. Donc, ce n'est qu'une antenne qui va embarquer les protocoles adéquats et qui va générer du signal pour transporter cela. Mais vers un cœur IoT. En parlant de LoRa ou... De LoRa. OK. Mais le problème, il n'y a pas de réseau LoRa. Enfin, il n'y a pas non, de mais le réseau LoRa peut être backhaulé sur un réseau mobile. Oui, alors pourquoi me prendre la tête avec LoRa? Je vais direct sur du mobile. Enfin, mais le réseau mobile nécessite du NB IoT. Ok, tu vois, il y a des. Si je vais. Alors, s'il nécessite le NB IoT, est-ce que la 2G le fait? Non, le NB IoT est une autre fonctionnalité. Ok, la 2G, est-ce qu'il peut le faire? Oui, vu que c'est du low rate, du GPRS peut être largement suffisant. La 3G peut le faire. Aussi. La 4G peut le faire. Absolument. Et la 5G peut le faire. La 5G est une convergence absolue de la connectivité. Je la vois comme ça néanmoins, pour ma part. Ça. Donc, parce que si je déploie maintenant une technologie sur du LoRa, okay. Ça veut dire que je dois déployer plusieurs antennes pour faire le réseau Terre et LoRa. Mais je t'ai dit, j'ai commencé par analyser le use case qui va être adressé par cette technologie. Okay. Ça veut dire, si tu es sur du fixe, bon, imagine, je te prends l'exemple de la fille qu'on avait vue qui avait pitché, comment elle s'appelle là, j'ai oublié, Machekhera. LoRa. LoRa, non. Alors, LoRa. Elle a mérité celle-là. Absolument. Alors, une fille a pitché. Elle est de Tindouf à Machekhera. Bon, allez, je vais le prénom va me. Sherefa, voilà. Sherefa, elle, son projet, c'était d'embarquer sur les chameaux des objets connectés pour pouvoir géolocaliser le chameau afin de protéger les gens contre les accidents, c'est sur la route les chameaux. Non, ça c'est temps, problématique. Donc on a fait au Sahara. Ah bah ouais. Alors Malish, si on part sur du LoRa, chaque chameau. Oui. Chaque dromadaire, ça va être plus facile à dire. En plus c'est des dromadaires, merci. épistémologiquement. Chaque boss. biologiquement parlant et naturellement parlant, il n'y a pas de chameau en Algérie, mais des dromadaires. Des dromadaires, absolument. Alors, chaque dromadaire devient l'antenne de l'autre dromadaire et ça crée le réseau LoRa. Ah non. Attends. Ah si, ça peut être une antenne redondante. T'es sur du mesh là. Attends, c'est ça. Non, oui. Non. Alors voilà, c'est pas évident. Attends, je donne un exemple. En France, un téléopérateur, j'avais vu ça, Antera le nom, et qui a. Voilà. C'est la période Terre. Manger des oranges. Donc. plein de vitamine C. T'as raison. Donc, Orange, on s'en fout, non. Il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas de souci. Et donc, Orange. Cet épisode est sponsorisé par Orange. Portugal. Donc, au final, qu'est-ce que c'est? Ils ont commercialisé, en fait, des lampes. Des lampes, hein, des lampes que tu branches. Ouais. Ta lampette. Ouais. Lampette à dos, en fait, c'est un objet connecté à LoRa. Oui. T'as. Une tête de l'offre en fait, lampette, te connecte à l'internet à dos. Okay. Alors, il est connecté à Internet à date. Donc, vous avez une lampe où tu as des couleurs, ou tu as des programmes, ou tu as des certaines, ou tu as des tableaux de téléphone et tout ça. Vous avez des choses à la station internationale, tu as des choses à la station. Donc, on fait tout chez ça. C'est normal. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que la lampe, en fait, dès qu'elle moment où elle se connecte elle, à Internet, en fait, elle rayonne sur un rayon de, donc comme si c'est du low rate, elle fait du 8 km. Oh. Et elle devient en fait un relais pour tous les objets qui pourraient se connecter. 8 km, c'est conditionné par l'utilisation de basse fréquence. Exact, exact. De basse fréquence d'émission. Exact. Dans la lampe en elle-même est un relais. Exact, exact. Est un relais. Voilà, exactement. Et la lampe en elle-même est un des objets exactement, à connecter. Exactement. Mais donc, tu vois la logique que je t'ai à Romain. Il y a une ingénierie derrière qui est faite. Mais cette ingénierie, elle est très fut-fut. En fait, parce qu'en fait, toi, imagine, un chez Wahda, un truc 100. Rue des Douches Morad. Ou Sahbi, chez le Wahdoukhra, où est-ce qu'on fait un Rue des Douches Morad? On vient comme de créer. Ça, enfin, c'est, même pas. C'est crois, comme ça que tu crées la couverture. On a chez le Wahda, un Rue des Douches Morad, ou Sahbi, chez le Wahda, fait. 12, 20, 60. Non, enfin, 100 ans. Ah, d'accord. 8 km. Maintenant, il y a de. Saha, Kundir Hadia, est-ce que la RPT est Halia? Écoute, sur les. Je citerai par exemple le cas tunisien, où Sigfox est déployé. Où de la 900 MHz a été utilisée et très peu de kilos donc de fréquences ont été utilisées. C'est une redevance, si je ne me trompe pas, à hauteur de $150 par an. Mm-hmm. Donc pour pouvoir exploiter cela. Parce qu'il y a, vraiment, c'est très faible. Peanuts, c'est peanuts en termes de bande de fréquences à utiliser. Mm-hmm. Le régulateur en Algérie, il faudrait que ces use cases existent
D'accord? Et qu'on pourrait peut-être éventuellement les discuter avec lui. Si l'écosystème est suffisamment riche pour ça. Alors, je rappelle que au dernier chiffre, il y a un an à peu près, le marché de l'Internet des objets ne dépassait pas sur la planète les 800 millions de dollars. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça commence à peine, mais ce n'est pas intéressant. En tout cas, le marché est valorisé à plusieurs milliards, oui, plusieurs centaines de milliards. Alors, en fait, ce qui permet cette valorisation, on y arrive hein, dans la discussion, en fait, ce qui permet cette valorisation, c'est le MaaS, c'est Mobility as a Service. En fait, dans la Mobility as a Service, c'est là-bas où on a en fait, les autonomous cars, les voitures autonomes. Et en fait, c'est ce marché qui est en train de drifter tout ça. Tu sais quel est. Alors, juste pour donner encore des chiffres, on estime que d'ici 2030, le marché de l'autonomous car, qui sera surtout sur les États-Unis, l'Europe et la Chine, représentera 1500 milliards de dollars. Voilà. Je te rejoins totalement. Mais il faut dire que l'autonomous car est le cas le plus critique, le plus critique à adresser. En termes de mobility services. Sécurité oblige. Principalement. Absolument. Il faut une latence très faible, exactement. Une connectivité. Pour ce faire, la mobility d'une car ou de l'autonomous car, vous savez, tu as parlé de latence, tu as parlé de la gestion de la vie. Alors, je fais un mot du matin, la latence, c'est le temps de réponse. C'est le temps de réponse entre un point A et un point B en rentrée. En d'autres termes, le ping sur compteur. Ouais, ping. Alors, je fais un mot, comme on a dit, le temps mobile, le temps de latence, mais quand ton mobile a mis une information, je suis en tête de chef d'arrière, donc une connexion à l'IA. Quand tu joues à compteur, pour être simple, pour être direct. Il faut de la 5G, il faut du Metro Edge Computing, il faut descendre au plus proche du consommateur, avoir une présence de compute, mais vraiment très dense dans le réseau, de la fibre, mais c'est comme ça qu'on économise les partout, précieuses millisecondes. Mais partout. Bon, c'est-à-dire que là, c'est bon, le mot est lâché, on est en train de parler de 5G. Oui. Okay, ça. C'est la seule techno qui puisse permettre de gérer un véhicule autonome ou des centaines de milliers de véhicules autonomes. Non. En Algérie, on en parle de la 5G. On en parle, bien sûr. C'est alors, inscrit dans la roadmap technologique de tous les opérateurs. C'est une évidence. Est-ce que c'est si j'ai de la 5G demain, est-ce que c'est un sens d'avoir du LoRa et du Sigfox et... Ça dépend des use cases. Tu l'as cité. Maintenant, si tu as juste un actionneur de porte qui déclenche une information toutes les 30 minutes, la porte est ouverte ou fermée, à quoi bon utiliser du spectre qui pourrait être réutilisé par autre chose. Il y a un rationnel de marché, ensuite il faut raisonner comme ça. Il y a des niches de marché, tout simplement. Et l'Internet des objets n'attend pas la 5G pour y être. Mais bon, il est vrai que ça va s'entrechoquer dans pas très longtemps. Mais la convergence, j'ai parlé de 3GPP tout à l'heure et de NB-IoT, pour les opérateurs, c'est une convergence de tous ces types d'accès. Mais la problématique majeure est le traitement de l'information. Ça, si on doit parce que non, on rigolait la dernière fois avec un copain, on disait putain, tu t'imagines, dans quelques années, donc 2030, c'est dans une dizaine d'années, hein, le parc automobile ça va être du autonomous car, sans parler qu'on est en train de merger aussi vers du electric car. C'est dans ta gueule. Ça y va très vite. Ça y va. Oui, mais je disais juste que... Faut pas résister. Vas-y, Karim, mets-nous au courant. Alors, juste pour dire, on pense que d'ici 2040... C'est interdit en Chine. 2040, les voitures à combustion, les moteurs à combustion sont interdits en Chine. D'autres pays sont en train de réfléchir. C'est fini. Notamment le pays de l'automobile, l'Allemagne. Deutsche Qualität. Alors, Das Auto. Ah, tu sais, ah ouais, non, vous y allez fort. Hein. Alors, juste pour dire, je m'arrache le fil d'idée. Donc, aujourd'hui, il est clair que dans une dizaine, allez, on va dire dans une vingtaine d'années, le parc automobile risque d'être sauf éruption solaire. Mais attends, avant d'arriver au parc automobile. Avant d'arriver au parc automobile, tu veux pas qu'on... Parce que l'autonomous car, c'est vraiment comme dit... C'est le cas ultime. C'est le cas ultime, c'est la fin. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il n'y a peut-être pas d'opportunités pour nous, start-up. Non. Oui, j'ai compris. Mais aujourd'hui... Alors, je vais raconter, je vais dire ce que je voulais dire. C'est que Mandakom a un pote à moi. T'imagines, dans quelques années, dans pas longtemps, donc 10-20 ans maximum, ton mobilette, nous le redemons la planète par les constructeurs, c'est des autonomous cars. Donc, je te fais un mot et je m'en autonomous car. C'est un objet connecté. Attends juste que je continue la blague. Et donc, ces objets connectés
connecté, donc ben il lui faut c'est une voiture et bah là donc c'est plus du jeu, c'est un sujet très sérieux, donc il faut pas de latence, etc., etc. Donc vous avez compris, on part de 5G. Attends, alors on se disait, t'imagines là, si on n'a pas la technologie full zéro, ton mobile est libre de tuer, mais quand je suis de zéro, non, il faut de l'eau, mais attends, pas autonome, c'est tout. Les fabricants ou les merdes, que ton mobile est mais autonomeuse, donc ils disent ok, il y a pas toujours le mode manuel. Et non, mais en fait ils vont tellement embarquer de l'autonomus qu'on pourra même plus les conduire sans autonomus. Il faut pas, il faut, c'est pas, c'est que effrayer. Malcolm Obet est... Il faut, alors, pas juste trop pour effrayer les gens. Non, aussi. J'y ferai pas, je, dans le sens où il y aura toujours des voitures à c'est lui notre invité. Est-ce qu'aujourd'hui dans les choix technologiques que nous sommes en train de faire, et entre autres la 5G qui arrive à grands pas, est-ce que dans la 5G il y a deux ou trois configurations différentes qui doivent être dès le début, je vais le dire différemment, est-ce que la 5G elle répond à plusieurs choses en même temps ou là quelque chose spécifique, dans le sens, est-ce que les agents pour la vidéo, donc on attend plus de débit, ou là les agents ils vont vers l'internet des objets, il faut leur donner plus de multi-connex. Tu parles de deux choses mais vraiment diamétralement convergentes et opposées en même temps, c'est paradoxal ce que je dis, mais t'as parlé d'autonomous car. Avant d'y arriver, avant d'arriver déjà complètement au véhicule full autonome, il y a déjà du service à embarquer dans un véhicule. Tu as parlé de vidéo. Ce qui est une partie du mass. Hein, t'as parlé de vidéo. Oui, tu peux diffuser, tu peux broadcaster maintenant sur des véhicules, sur des écrans incrustés, quoi que ce soit, du contenu vidéo sélectif en fonction des âges, en fonction des individus. Tu peux embarquer de la télémétrie, ce qui se fait en Formule 1 depuis quelques années. Et c'est de là que découlent toutes ces innovations. Hein. Dire que j'ai travaillé sur de la F1. Tu vois ? Donc, de la télémétrie de véhicules. Mais avant aussi, on parle de 5G. De la 5G converge tous ces types de connectivité. Entre-temps, il y a des services à valeur ajoutée qui peuvent être très enrichissants pour le consommateur final. Je te parle d'une sonnette d'appartement connecté. Je te parle d'une gestion de l'électricité ou de la consommation électrique, de télérelève ou d'actionneur. Télémétrie, exactement. Je te remercie. De la télémétrie dans les appartements pour gérer sa consommation électrique ou eau, peu importe. Ces volets, ces rideaux, la sécurité de la maison, et ainsi de suite. Donc, avant d'arriver au cas extrême qui est le véhicule connecté, donc ça va permettre à tous les acteurs technologiques de mettre à niveau leur plateforme pour pouvoir arriver à cela. Mmh. C'est les shifts auxquels devront faire face tous les acteurs de l'écosystème. Dis-moi, Mehdi, j'ai une question. Enfin, finalement, quand on parle de IoT... Est-ce que, d'abord, le RFID fait partie de la famille IoT ? Je ne pense pas. Non ? Enfin, non. Puce à alimentée par radiofréquence qui permet de faire, de capter, pas de capter une information, enfin, de s'identifier. En gros, c'est ça, elle s'identifie. L'IoT, on parle d'interaction entre l'objet et d'un corps IoT. Bidirectionnel. Exactement. En gros, oui, c'est absolument le cas. Donc, c'est une collecte d'informations, du traitement d'informations et un retour d'informations sur l'objet. Donc, si on veut que l'objet acte dans un sens ou dans un autre. D'accord. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une bataille quand même mondiale. On voit qu'il y a des acteurs historiques type Ericsson qui sont positionnés depuis très longtemps sur la 5G. Et tous les autres. Nous avons aussi Huawei qui est aussi extrêmement... Aussi. Ce qui lui a valu une belle bataille Huawei, aux États-Unis. Nokia... Tous les acteurs. Est-ce que la normalisation est faite ou il y a encore du boulot là-dedans ? Non, la normalisation est faite. Ça y est. Les corps 5G sont standardisés au niveau 3GPP. Okay. Il y a toutes les releases qui sont déjà disponibles. Les roadmaps des opérateurs sont déjà en place. Okay. Et leur évolution est inscrite à leur plan de charge. C'est une évidence. Alors, première application qu'on pourrait espérer dans nos pays, enfin, je parle du Maghreb de manière générale, en Algérie peut-être en particulier, mais quelles sont les premières applications qui pourraient être super utiles ? Alors, est-ce qu'il y en a d'abord ? Peut-être qu'il y en a déjà.
Oh, il y en a peut-être en test, mais j'entends d'autres ça un peu plus. Kerem a commencé par dire du machine to machine. Ouais. Mmh. Ouais. Tout ce qui était technologie mobile pour adresser le machine to machine pourrait être adressé via l'IoT. Mais du coup, on ferait des économies ou c'est quoi l'idée? Ben, c'est clair. Déjà, on n'utilisera plus de SIM. Donc, on sera sur du eSIM ou de la reconnaissance Mac du device. Mm-hmm. Donc, c'est une gestion qui est complètement différente de l'objet du téléphone, donc de la SIM traditionnelle. Okay. Là, on parle de milliards d'objets. Donc, et on n'a plus besoin de numéro de téléphone particulier ou de... Est-ce voilà, qu'on va se poser le problème de l'upgrade de nos équipements ou pas? Eh bien, ça va. Regarde, l'écosystème IoT ne va pas dépendre que d'un seul acteur. L'opérateur ne va plus avoir l'exclusivité, si tu veux, pour adresser ce business-là. Mm-hmm. At least, l'opérateur pourra fournir les services de connectivité, donc pour permettre à l'écosystème de développer lui-même ses devices, d'utiliser la technologie de transmission fournie par l'opérateur. Moyennant quelque chose, bien entendu. Voilà, moyennant, bien sûr, moyennant rémunération, c'est clair, c'est évident, c'est une évidence. Et aussi, utiliser les bases de données ou le concept du big data, le core IoT, qui va permettre le traitement de cette information. Donc, ils vont louer des espaces à ce niveau-là pour permettre à une troisième partie de développer de l'applicatif qui va permettre de gérer ces devices. Okay. Donc, tu vois, déjà, on a cité trois acteurs. Ceux qui créent le device, ceux qui transportent l'information, ceux qui traitent l'information et ceux qui développent, ceux qui développent l'applicatif pour traiter l'information. Un des use cases les plus évidents à l'heure d'aujourd'hui, c'est la télémétrie. Mmh. La gestion de sa facture électrique, de sa consommation électrique. On avait fait un numéro à 480 000 dinars de facture. Tu vois, je rassure. Ça veut dire, sur la télémétrie, tu vas pouvoir, si tu veux, visualiser tes cycles de consommation. Hein, quand t'es est-ce que ça coûte cher aujourd'hui? Mais réellement, non. Un device IoT, ça varie entre 2 et 10 dollars. Le device. Et ça peut descendre encore en dessous si on est sur du massif. Alors, juste, parce que nous, comme un assain, comme d'habitude, je travaille surtout, ils mettent les sujets. Les gens, ils doivent me croire que je suis un mytho, mais bon, je m'en fous. C'est pas le cas, je vous assure. En fait, déjà dans... Il était une fois dans le monde extraordinaire... De l'IoT, de l'Internet. Bourri. Alors non, mais il est très important parce que là, on part, tu vois, jamais normal, trop. Les universités, les écoles d'ingénieurs. Lâche-moi la hardcom. Je dis ça parce qu'on a pris plusieurs fois des. Là, on est en train de travailler et qu'on a des stagiaires de l'école d'informatique. L'année dernière, on avait été des stagiaires d'automatique de l'école polytechnique d'Oran, de l'ESI d'Alger. Et on les faisait travailler donc, sur un sujet d'IoT, un autre sujet, enfin un autre projet qu'on a en interne. Et on est en train de développer le prototype et tout ça. Et ils ont du mal à comprendre que c'est des problématiques qui aujourd'hui font en sorte que l'automatisation qu'on connaît habituellement des automates qui dialoguent en réseau interne ou en M2M doivent changer totalement parce qu'aujourd'hui, il y a un passage nouveau pour eux en termes de protocole, c'est que l'intercommunication entre ces deux réseaux d'automates et ça passe par Internet. Et à partir de là, ça change foncièrement parce qu'il y a juste basique, la base des bases, ils ne connaissent pas les problématiques de cross-domain. Ils découvrent. Et aujourd'hui, ça ne s'est même pas enseigné. Alors là, quand tu arrives, toi, avec des logiques d'API, de Graph API et tout ça, tu n'arrives pas à comprendre. Et alors pour eux, à ce moment-là, ça devient un sujet de informatique, les automatiques. Qui est un des informaticiens, qui est l'objet connecté, ça devient un sujet d'automaticien. Et en fait, tu vois qu'aujourd'hui, il y a déjà une problématique dans l'enseignement. Ah, je parle pour l'Algérie, bien évidemment. Raison, et je pense que ça ne doit pas être que chez l'Algérie, parce raison. Que c'est un nouveau domaine. Et donc, du coup, il faudrait que aussi l'éducation supérieure se mette à la page et comprenne que c'est un domaine qui devient transversal, très sérieux. Voilà. Si tu me permets, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on est capable d'assurer une qualité de service sur des réseaux IoT? Ben, heureusement. Enfin, je veux dire, tu as compris ce que je veux dire, la criticité. Absolument. Ouais. Un des points les plus critiques, c'est la sécurité. Ah oui, c'est l'intégrité de la donnée. Absolument. Ça devient l'épée de Damoclès sur le fournisseur de ce genre de service. Parce que l'information devient critique. Donc, tu t'imagines.
Et c'est comme ça que nous avons fini de rêver. Alors, écoute, dans ce, l'univers merveilleux de l'IoT. Objet connecté. Avec la fée merdie. Alors juste, je pense qu'on te réinvitera, prépare tes fiches. On te réinvite la prochaine fois pour préparer vos questions à merdie, voilà, aussi. On parlera de data center. Hein, tu prends, t'es d'accord? Avec grand plaisir. Ah, donc Mehdi reviendra nous parler de data center. On essaiera aussi de balayer un peu le sujet rapidement. On pourra reparler en fait du sujet aussi de l'IoT et de l'objet connecté. Je pense que ça serait intéressant pour qu'on vulgarise un peu plus et pourra pas parler de la problématique de l'enseignement de l'IoT. Ouais, je l'ai. Avec plaisir. Voilà. Donc pour terminer, on a pris l'habitude de dire à nos streamos spectateurs. Qu'est-ce qu'on fait les bouchons à Alger parce que les balles donc tout à l'heure tu me disais que tu passais ton temps, enfin une partie de ton temps à faire des trucs que tu voulais pas nous dire à l'antenne en cette période de... ah, mais sinon en temps normal, donc tu nous as parlé de j'ai compris. Bon. Mais sinon, tu moi, nous je as dis, parlé... Quand même, je vais te dire ce qu'il fait quand il est dans les bouchons. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Il nous écoute sur les plateformes de podcast sur lesquelles nous sommes disponibles, je rappelle. Alors non, il nous a partagé avec nous quelques chaînes YouTube. Alors je vais mettre à l'image les chaînes et je te laisse en parler, Mehdi. C'est juste relatif à la technologie. Donc il y en a deux d'entre elles qui parlent vachement de nouvelles technologies, de cloud, d'automation... Donc, de toutes les nouvelles tendances auxquelles les opérateurs devront faire face. Ouais, donc tu parles de. Je parle de cloud computing en général via les Tech Field Day et OpenStack Foundation. Okay. Donc, c'est toute la partie SDN, orchestration, automatisation des réseaux. Et vraiment, c'est le shift auquel devra faire face les opérateurs sur les 3-4 prochaines années. Tu m'as donné une idée de... On t'invitera et on parlera de opérateur VS... Fais-moi peur. VS Habibna, les Project ou Google. Les non, on en reparlera par là. Mais voilà, l'OpenStack Foundation ou les Tech Field Day vulgarisent relativement ces concepts-là, nous montrer des use cases, disons. Et tu nous as ajouté une troisième ThinkerView, c'est vraiment de l'actualité, certes francophone. Mm-hmm. Maléch. Exactement. Et ça donne une idée générale, sans rentrer, sans être, comme tu dis, comme tu m'as tagué. Voilà. Ça reste à continuer. C'est pour s'occuper. On partagera dans le descriptif en bas les liens des trois chaînes technologiques et Tarafam aussi. Mehdi, merci beaucoup d'être venu. Et donc, l'Arda pour deux prochains épisodes. Deuxième épisode, on parlera de data center et l'autre de stratégie des telco VS X Project. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est comme ça que s'achève notre numéro 2KRY avec Karim Brouri et Karim Abdelmoula et aujourd'hui avec Mehdi Nadav. Parfait. Merci Mehdi. À la prochaine. Ciao. 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 Ciao.